奉耶稣圣名说话。Au nom du Seigneur Jésus, je parle. 我们要继续来查考这个圣灵的这一个教义哦。Nous allons continuer à étudier la doctrine du Saint-Esprit. 我们谈到说，在《使徒行传》里头有5个地方记载，有关得圣灵的事情。Nous avons vu que dans les actes, il y a 5 endroits où on mentionne le moment où ils reçoivent l'Esprit Saint. 那我们发觉到说，五处的记载的地点都不一样，Et on voit 就是que 5 endroits où 得ils reçoivent 圣灵的人，他们 l'Esprit Saint. 所处在的地方都不一样。Les 5 endroits où ces personnes ont reçu l'Esprit Saint sont des endroits différents. 那第一个，是在耶路撒冷。Le premier endroit, c'est à Jérusalem. 那第二是在这个撒玛利亚。Le deuxième endroit, c'est en Samarie. 那这个第三呢？就是保罗是在大马色。Le troisième endroit, c'est Paul à Damas. 那第四呢？就是这个哥尼流就是在凯撒利亚。Et Corneille, c'est le quatrième endroit, c'est à Césarée. 那第五就是这个在以弗所。Et le cinquième endroit, c'est à Éphèse. 那这5个地方我们知道说有3个记载是谈到以这个方言为这个凭据得圣灵的凭据。De ces 5 endroits, on sait qu'il y a 3 endroits où on nous parle de la preuve de la réception du Saint-Esprit. C'est le parler en langue. 撒玛利亚呢没有谈到这个得圣灵的凭据。En Samarie, on ne nous parle pas de la preuve de la réception du Saint-Esprit. 但是我们可以断定说他们得圣灵的凭据是说方言。Nous pouvons en déduire, mais même si c'est cela, nous pouvons en déduire que le parler en langue, c'est la preuve de la réception du Saint-Esprit. 其中一个主要的理由，是因为彼得他被差派，跟约翰被差派到这个撒玛利亚这个地方去替那些信徒来祈求圣灵。Et une des raisons, c'est parce que Pierre et Jean ont été envoyés en Samarie pour que les membres là-bas prient pour la réception du Saint-Esprit. 因为彼得、约翰在五旬节那一天，他们自己本身得到圣灵。Car Pierre et Jean, le jour de la Pentecôte, ont reçu eux-mêmes l'Esprit Saint. 所以我们很肯定的说，他们判断这个得圣灵的这个根据，一定是跟他们自己得圣灵的这个经历，是相似的。Et donc, nous avons la certitude que lorsqu'ils ont jugé que les personnes avaient reçu l'Esprit Saint, ils ont fait référence à leur propre réception du Saint-Esprit. 因为在《使徒行传》第二章那里告诉我们说，他们都被圣灵充满，然后根据英文版就说他们都是讲方言。Car au chapitre 2 des Actes, on nous dit qu'ils étaient tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en langue. 那第九章就是谈到保罗的这个归真。Au chapitre 9, on nous parle de la conversion de Saul. 那亚拿尼亚跟保罗说，他来的责任是要让他眼睛得看见，而且呢要被圣灵充满。Et Ananias a dit que son devoir était de faire en sorte que les yeux de Paul puissent voir et qu'ils soient remplis d'Esprit Saint. 当然被圣灵充满的一个凭据，这唯一的凭据就是说方言。Et la seule preuve pour dire qu'il a reçu l'Esprit Saint, c'est le parler en langue. 我们所说的这个被得圣灵时被圣灵充满的这个凭据就是说方言。Et donc, lorsque nous recevons l'Esprit Saint et que nous sommes remplis d'Esprit Saint, nous parlons en langue. 好，现在我们再来看一看这五处的记载，这5个地方的记载。Et donc, nous allons maintenant encore regarder ces 5 endroits où on nous mentionne la réception de l'Esprit Saint.
啊，我们先来，刚才我们已经谈到了地点哦。Tout à l'heure, nous avons parlé des lieux. 啊，在这个耶路撒冷，很清楚的是说以说方言为凭据。À Jérusalem, lorsqu'ils ont reçu, on nous dit clairement que c'était la preuve, c'est qu'ils ont parlé en langue. 啊，在凯撒利亚也很清楚的告诉我们哈，彼得做一个判断，就是说这些人得了圣灵，跟我们一样。因为他们听见这些外邦人说方言。Il en est de même à Césarée, où Pierre en a déduit qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint, car ils ont reçu et qu'ils ont parlé en langue comme eux au moment où ils ont reçu l'Esprit Saint. 啊，那在第19章，保罗到以弗所的时候。Et au chapitre 19, quand Paul arrive à Éphèse, 啊，保罗跟他们讲解这个得救的这个洗礼之后。替他们洗礼过后，然后按手在他们头上，为他们来求圣灵，他们就得圣灵，而且说方言。Et donc, Paul leur a prêché, leur a parlé de la vérité. Ensuite, ils furent baptisés. Et ensuite, Paul leur imposa les mains et ils reçurent l'Esprit Saint et se mirent à parler en langue. 所以从耶路撒冷到以弗所，他们的这个得圣灵的凭据，都是以说方言，为凭据。Donc, de Jérusalem à Éphèse, la preuve de la réception de l'Esprit Saint, c'est qu'ils parlent en langue. 好，那我们现在来看哈，如果以时间来讲的话，Et si nous regardons sur le plan temporel, 我们可以说教会刚开始被建立的时候，on peut dire qu'au moment où l'Église a été fondée, 是因为圣灵降下，c'est parce que l'Esprit Saint est descendu. 这些120个人呢，包括门徒在内，得圣灵。并说方言。Et donc, les 120 personnes qui étaient présentes, y compris les disciples, ont reçu l'Esprit Saint et se mirent à parler en langue. 经过了一段时间，那我们发觉到说，到了以弗所，那他们也是以说方言为凭据，得圣灵的凭据。Et donc, au bout d'un certain temps, lorsqu'ils arrivent à Éphèse, la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est aussi parler en langue. 那如果我们再以工人来讲的话，Donc sur le plan des compagnons d'œuvre, des serviteurs de Dieu, 开始的时候，这个使徒们得圣灵，au début, ce sont les disciples qui ont reçu, les apôtres qui ont reçu l'Esprit Saint. 然后到这个撒玛利亚的地方，Ensuite, arrivés en Samarie, 那我们知道说这撒玛利亚人他们得圣灵。les Samaritains ont reçu aussi l'Esprit Saint. 那是由彼得、约翰来证实说他们得圣灵。Et Pierre et Jean ont attesté qu'ils ont reçu l'Esprit Saint.那如果我们看到第19章，Et si nous lisons le chapitre 19, 那这样看起来已经有好几代的工人了哦。on a l'impression qu'il y a déjà plusieurs générations de serviteurs qui sont passés.使徒们是第一代。Les premiers serviteurs, la première génération, ce sont les那我apôtres. 们说腓力啊，传福音，他是第二代工人呢、Ensuite, Philippe, lorsqu'il a évangélisé, c'est la deuxième génération.如果我们说亚拿尼亚是第三代的话，Nous disons que Ananias, c'est la troisième génération. 那我们说当然保罗应该是第四代嘛，Et Paul, à ce moment-là, c'est la quatrième génération. 那你发现说不同的工人哦，他们在证实得圣灵的时候，也是以方言为这个凭据。Et nous voyons que, même si ce sont des différents serviteurs, différentes générations, on voit que, la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est le parler en langue.那从这些例子，我们可以学习到怎么样的教训？Et que peut-on apprendre de ces exemples? 得圣灵的凭据说方言，不会因为人的更换哦，工人的更换而随着改变。Et ce n'est, on peut apprendre le fait que ce n'est pas parce que les serviteurs ont changé que le fait de la preuve de la réception du Saint-Esprit par le parler en langue a changé. 我们说，在教会里头，教会的工人教会的工人一代来的一代过去。Les serviteurs à l'Église passent de génération en génération.有一天我也会过去的。Un jour, moi aussi, je vais passer.
啊，但是我们发觉到一件事情，Et on remarque une chose. 在使徒教会里头，每一代工人他们都以说方言为得圣灵的凭据。Qu'à l'époque des apôtres, toutes les générations qui sont passées ont utilisé le parler en langue pour prouver la réception du Saint-Esprit. 虽然已经过了一段时间。Et donc, malgré le temps qui passe, 但是这个凭据并没有改变。cette preuve n'a pas changé. 这是我们应该注意的哈。Et c'est ce dont nous devons. C'est un point important. 在真耶稣教会里头也是这样。Il en est de même dans la véritable Jésus-Église. 如果我们从时间的观点来说，如果从时间的观点来讲的话，Non, j'entends pas en fait le pasteur qui parle. Alors, 如果从时间的观点来说，Donc, si nous regardons sur le plan temporel, 教会刚开始的时候，那是以说方言为得圣灵的凭据。c'était la preuve pour la réception du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. 100年之后，Une centaine d'années plus tard,那我们教会还是以说方言为得圣灵的凭据。dans notre Église, la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est aussi le parler en langue. 虽然在这个过程当中有很多工人已经离开了这个世间。Même si pendant tout ce temps, beaucoup de certificats Nos serviteurs ont déjà quitté ce monde. 但是新一代起来的工人还是以说方言为得圣灵的凭据。Mais la nouvelle génération de serviteurs utilise toujours cette preuve de parler en langue pour la réception du Saint-Esprit. 我们知道说，我们教会是在这个真教会是在中国开始的。Nous savons que la véritable Jésus-Église a commencé en Chine. 那现在这个福音已经传到60多个国家。Et aujourd'hui, l'Évangile a été prêché dans une soixantaine de pays. 但是每个国家的教会真正相信圣经道理的真耶稣教会都是以说方言为得圣灵的凭据。Mais chaque église de la véritable Jésus-Église utilise le parler en langue pour prouver la réception du Saint-Esprit.这都是不改变的一个真理Et ceci est une vérité qui ne change pas. 我们有时候在开拓区做工作的时候，Parfois, dans les zones pionnières, lorsque nous ouvrons, 那我想这是每个真耶稣教会的工人都有的体验。Et ce sont des expériences que chaque serviteur a quand il œuvre pour Dieu. 当慕道者听了本会的道理之后，祷告和求圣灵，得了圣灵一定会讲方言。Quand les amis écoutent la parole de Dieu, prient et reçoivent l'Esprit Saint, ils parlent forcément en langue. 所以从使徒教会的经历跟真耶稣教会的经历来看。Après l'expérience de l'époque des apôtres et l'expérience de la véritable Jésus-Église aujourd'hui, 这就证明了一件事情神的话是不改变的。cela prouve une chose, c'est que la parole de Dieu ne change pas. 神不会在使徒时代呢，告诉使徒们得圣灵的凭据是说方言。
Dieu ne va pas dire à l'époque des apôtres, la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est parler en langue.啊，到了真耶稣教会的时代，得圣灵的凭据不是说方言，这是不可能的。Et ensuite, arriver à l'époque de la véritable Jésus-Église et dire que la réception du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue, ceci est impossible. 啊，那我们发觉到说，哎，真耶稣教会的教导完全是跟这个使徒的教导是一致的，是一样的。Nous nous apercevons à ce moment-là que l'enseignement de la véritable Jésus-Église est la même que celle de l'époque des apôtres. 啊，所以我们很肯定的哦，我们也相信，完全的相信说，我们是末世的真教会。Et donc nous avons la certitude et nous croyons que nous sommes l'Église véritable de la fin des temps. 好，但是这个《使徒行传》里头有几个问题，我们先要来解决的。Mais dans les actes des apôtres, il y a quelques questions dont nous pouvons, que nous devons résoudre. 啊，我们要首先知道说，这个讲方言哦，不是人自己，要讲的，是圣灵让他讲的。Donc, parler en langue, ce n'est pas l'homme qui veut parler lui-même en langue, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait parler en langue. 啊，如果没有圣灵在感动的话，人没有办法讲方言。Si on n'est pas touché par l'Esprit Saint, l'homme ne peut pas parler en langue. 啊，这是一个我们要抓住的重点。Et c'est un point important. 就好像我们讲过的哦，如果我们点燃一根蜡烛，这个火焰不会摆动的，如果没有风在吹。Comme nous avons dit, si nous allumons une bougie, la flamme ne va pas bouger s'il n'y a pas de vent qui souffle. 啊，同样的道理，我们的舌头不会跳动的，如果圣灵没有降在我们身上。Il en est de même, notre langue ne va pas vibrer si le Saint-Esprit ne descend pas sur nous. 好，这个重点一定要抓住。Ce point important, il faut le connaître. 好，有些人会这样说。Personne dise. 啊，当我们在看这个《使徒行传》第十章。Quand nous lisons les actes chapitre 10, 46节这样说，verset 46. 使徒行传第十章的46节。Actes chapitre 10, verset 46. 因听见他们说方言，称赞神为大。Qui a entendu parler en langue et exalté Dieu? 好，那有人就这样说。Alors certaines personnes disent cela. 啊，这里不光光谈到说方言而已。Ici, on ne nous parle pas seulement de parler en langue. 这里也谈到称神为大。Mais on nous parle aussi d'exalter Dieu. 啊，所以有人就这样说，说方言不是唯一的这个得圣灵的凭据。Donc ces personnes disent que la preuve de la réception du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. 啊，称赞神伟大也是得圣灵的凭据。Ce n'est pas forcément parler en langue, mais aussi exalter Dieu, c'est aussi la preuve de la réception du Saint-Esprit. 啊，他们的论点是这样，因为当时这些得圣灵的人呢，他们是外邦人。Car pour eux, ces personnes qui ont reçu l'Esprit Saint, c'étaient des païens. 啊，就是说他们是不信耶稣基督的。Autrement dit, ce sont des gens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. 啊，那如果没有圣灵感动的话，他怎么会称神为大呢？ Et donc, s'ils ne sont pas touchés par l'Esprit Saint, comment peuvent-ils exalter Dieu? 好，首先我们要来分析这一句话哦。Donc nous allons analyser cette phrase. 啊，如果我们说方言，这里的方言跟称神伟大是两件事的话，disons que parler en langue et exalter Dieu ici, ce sont deux choses différentes. 啊，这个说方言呢，不是人讲的，是圣灵，让人的舌头在跳动。Se parler en langue, ce n'est pas l'homme qui le prononce lui-même les paroles, mais c'est être touché par l'Esprit Saint qui fait vibrer la langue.
但是呢，称赞神伟大呢，不一定要圣灵在，就算是怎么说，没有得圣灵的人也会称赞神伟大。Mais exalter Dieu, on n'a pas besoin de recevoir de l'Esprit Saint pour cela. Même une personne qui ne croit pas en Dieu peut exalter Dieu.称赞神伟大是人可以做的。Exalter Dieu, l'homme peut le faire lui-même. 真正石头跳动的哈是人不能做的，一定要圣灵在触动人的石头，那人的石头才会跳动。Mais la langue qui vibre, l'homme ne peut pas le faire lui-même. Il faut absolument qu'il y ait le Saint-Esprit et qui fait vibrer la langue pour qu'elle puisse vibrer.好，我们再想Réfléchissons. 当时彼得在讲到的时候，À l'époque, lorsque Pierre prêchait, 圣经说圣灵降在一切听到的人身上，所有听到的人听到的人都得圣灵。La Bible nous dit que le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient, donc tous ceux qui écoutaient不ont光reçu l'Esprit Saint.他是这个哥尼流的一家，还有其他的人也在场。Et donc non seulement la famille de Corneille, mais tous ceux qui étaient présents.所以我们说人数也蛮多的。Et donc il y avait beaucoup de monde. 我们不要想太多，我们就说有，我们如果以最低的数目来讲，有20个人。Donc, si nous prenons le minimum de personnes, on va dire 20 personnes. 那20个人同时在讲方言，Et donc, en même temps, ces 20 personnes parlaient en langue. 或者说同时在称赞神伟大，Ou en même temps, elles exaltaient Dieu toutes en même temps. 我们在场的人都可能听不清楚他们在说什么。À ce moment-là, les autres personnes présentes ne peuvent pas comprendre clairement ce qu'ils disent, qu'elles因为disent.当时是一个很突然的事情呢，彼得开讲的时候，刚刚开始讲到了圣灵就降下了，他们就说方言了。Car c'était quelque chose d'assez soudain. Dès que Pierre a commencé à parler, ces gens-là ont commencé à parler en langue. 就好像《使徒行传》第二章一样，Comme dans Actes chapitre 2. 120个人在讲方言的时候呢，那些近前的犹太人呢？听到他们在讲以自己的乡谈来在讲他们的这个话，来赞美神。Donc à ce moment-là, les 120 personnes qui étaient présentes, qui ont reçu l'Esprit Saint, ont parlé en langue et les autres personnes autour les entendaient parler dans leur propre langue,所en以même temps.这个《使徒行传》第十章也是可Et能的donc,事情，就是说他们在讲方言，但是。在听的人呢，却听见他们在赞美神伟大。il est possible que à ce moment-là, toutes ces personnes-là qui ont reçu l'Esprit Saint parlaient en langue et les autres personnes qui écoutaient entendaient aussi qu'ils exaltaient Dieu. 就是神要让这个彼得，还有随同彼得的这6位犹太弟兄啊，能够听到他们在说什么。C'est-à-dire que Pierre et les six frères qui étaient autour, avec six frères juifs qui étaient avec lui, ont compris ce qu'il disait. 所以从这样的一个观点来理解的话，他们这个得圣灵的凭据还是以说方言Donc, si为准。on comprend de ce point de vue-là, on dira que effectivement, c'est aussi la référence et aussi la réception du Saint-Esprit. La preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est de parler en langue.还有一点，当彼得回去的时候。Un autre point, c'est lorsque Pierre retourne à Jérusalem.你在对那些质疑他的人做解释的时候，有这样说？Il a expliqué à ceux qui étaient pas d'accord avec lui. 那就是11章里头所讲的那个15节。
我们早上所念过的。Donc, on peut voir ça dans le chapitre 11, verset 15, le verset que nous avons lu le matin. 彼得说圣灵降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. 那你对照这一节你就发觉到说，其实在使徒行传2章4节的，就是圣灵好像一阵大风吹过，然后石头如火焰落在个人身上，就是这样而已。Donc, si nous lisons ce verset-là et aussi le verset 4, chapitre 2, nous pouvons voir que il y a eu un, c'était probablement aussi la même situation. Il y a eu un grand vent et ensuite le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes. 那以英文版来看呢，就是他们都被圣灵充满，然后石头就跳动起Et si on regarde来，la version, 就讲方言了。Dans le chapitre 2, verset 4, le Saint-Esprit descendit et se mit à parler en d'autres langues. 因为这个方言这个石头的跳动是圣灵所赐予的。Et le fait que la langue vibre, c'est un don du Saint-Esprit. 在那里的记载并没有谈到说他们称赞神伟大。Et là, il n'est pas mentionné qu'ils ont exalté Dieu. 所以我们这样看的话呢，我们就明白到说，其实得圣灵的凭据就是说方言。Et donc, si nous lisons cela, nous comprenons que la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est parler en langue. 那我们再来看这个《使徒行传》的19章。Alors, lisons Actes chapitre 19. 《使徒行传》的19章，Actes chapitre 19,我们来念这个第六节。verset 6. 保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言，或异，又讲道。Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux, mirent à parler en langue et à prophétiser.好，那这里也有人这样说Et donc ici, certaines personnes disent. 在这一次圣灵降临当中，说方言并不是唯一的凭据。Cette fois, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le parler en langue n'est pas la seule preuve de la réception du Saint-Esprit. 我们刚才已经讲得很清楚了，Tout à l'heure, nous avons déjà dit clairement. 讲方言是圣灵让那个得圣灵的人讲的。Parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui permet à la personne qui reçoit l'Esprit Saint de parler en langue. 凭着自己呢，他没有办法讲方言。Tout seul, cette personne ne peut parler en langue. 因为是圣灵让他讲。Car c'est l'Esprit Saint qui lui permet de parler en langue. 但是讲到的呢？Et celui qui prophétise. 就算你没有得圣灵，你也可以讲道。Même si vous ne recevez pas l'Esprit Saint, vous pouvez parler.所以这里就有一个差别了。Donc il y a une différence. 一个是神让他讲的，就是使他讲的；一个呢是人可以靠着自己来讲。La première chose, c'est que c'est Dieu qui permet à la personne de parler en langue, et l'autre, c'est la personne elle-même qui peut s'appuyer sur elle-même pour parler.不管怎么样Quoi qu'il en soit, 但是在每一个例子当中，得圣灵的凭据都是先谈到这个说方言的。dans 圣 chaque 灵 exemple, 降临的时候，得圣灵的凭据一定是作者一定是先讲到这个说方言。Quoi qu'il en soit, à chaque fois, la preuve de la réception du Saint-Esprit, on nous parle d'abord de parler en langue.所以这个说预言可能是之后的事情。Et donc ensuite, prophétiser, c'est peut-être ce qui se passe après. 就算是在祷告的时候讲道或者讲预言，这是比较少，圣经应该是在祷告当中讲道，应该是没有。
Dans la Bible, on ne voit pas d'exemple où quand ils se mirent à prier et en même temps à prédiquer. 在哥林多前书向会众用方言来讲道是有的。Dans 1 Corinthiens, on voit que certaines personnes parlent à l'assemblée en langue, ça existe. 但是在祷告时来讲道应该是没有这样的一个记载的哈。Mais prédiquer au moment de la prière, ce n'est pas mentionné dans la Bible. 所以我们也肯定的说哈，这里的记载是以说方言为得圣灵的凭据。Donc ici, on peut aussi dire que la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est parler en langue. 好，那我们现在要来查考一个问题，就是说这个方言的这个功用。Maintenant, nous allons répondre à une autre question, c'est la fonction de parler en langue. 因为保罗有这样说啊。Donc, Paul dit, 这个说方言呢是属灵的恩赐。Paul dit que parler en langue, c'est un don spirituel. 既然是属灵的恩赐，当然就不是每一个人呢都会讲方言。孟佳，你要开你的那个麦克。既然是属灵的恩赐，那就不是每个人呢都会讲的。Comme c'est un don spirituel, tout le monde ne peut pas parler en langue. 好，我们现在来看这个哥林多前书。Lisons 1 Corinthiens. 我们看哥林多前书，我们先来念这个第十二章。1 Corinthiens chapitre 12. 我们先来念这个第四节哈。Chapitre 12, verset 4. 哥林多前书十二章的第四节。1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. 恩赐原有分别，圣灵却是一位。Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 那我们来念第七节。Verset 7. 圣灵显在个人身上，是要叫人得益处。Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 那我们发觉到说，在教会里头圣灵会把不同的恩赐分赐给不同的人。Donc nous voyons à l'Église que l'Esprit donne des dons différents à différentes personnes. 那如果我们从这个第九节开始看的话， Et si nous lisons à partir du verset 9, 第八节了哈，第八节。Verset 8. 这里说呢，这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. 那第九节，又有人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。9. À un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit. 第十节。10. 又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. 这里谈到说圣灵分赐给教会里头的人有不同的恩赐。Donc ici, on nous donne que le Saint-Esprit donne différents dons à différentes personnes dans l'Église. 这是圣灵运行随己意分给个人的。Donc c'est l'Esprit qui a décidé lui-même de donner à chaque personne. 主要理由是什么？是要叫人得益处。Et quel est le but? C'est d'apporter du bienfait à l'homme. 所以教会里头每个人都有不同的恩赐，主要是要让我们
那彼此得这个益处，彼此得造就。Et donc, dans l'Église, différentes personnes ont différents dons et le but, c'est que cela, qu'il y ait un bienfait dans l'Église pour chacun des membres et que chacun soit édifié les uns les autres. 啊，那在这个属灵的恩赐当中呢，保罗有谈到说讲方言的恩赐。Donc, parmi ces dons spirituels, Paul parle de parler en langue. 啊，那紧接着，下来呢，又谈到说，啊，这个方言的恩赐。Et ensuite, ce qui suit, un autre, l'interprétation des langues. 啊，那在早期的教会，哥林多教会哈，他们有这样的一个情形。Et donc, dans l'église de Corinthe, il y avait une situation particulière. 啊，有人呢被圣灵感动，用方言来讲道。Certaines personnes étaient touchées par l'Esprit Saint et parlaient, prêchaient en langue.啊，那同时呢，圣灵也会感动人，能够明白这个人所讲的方言，把它翻译成众人能够听得明白的语言。Et en même temps, l'Esprit touchait d'autres personnes, donnait des dons à d'autres personnes qui pouvaient interpréter. Ces langues et de façon à ce que ce soit compréhensible par les membres. 啊，这主要呢是为了要让这个教会的信徒啊能够得到益处。Et le but, c'était que cela soit bénéfique à l'Église. 啊，那这样看起来呢，这个说方言其实就有两项的功能。Et donc, on voit qu'il y a deux fonctions au fait de parler en langue. 那《使徒行传》所谈到的这个方言的功能呢，就是祷告向神，所讲的。Et donc, la première fonction mentionnant, c'est la fonction de prier et de parler à Dieu. Alors, 我们可以说祷告的方言。Et donc, c'est la prière en langue. 啊，那在《哥林多前书》12章跟14章所记载的。有一些部分是谈到讲到的方言。Mais dans 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14, il y a des moments où on nous parle de parler en langue en prêchant.啊，那这个对象是人。Et ceci s'adresse à l'homme.啊，所以需要翻译。Et c'est pourquoi il y a besoin d'interprétation. 好，我们现在来看哥林多前书的第14章。Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 14. 好，我们先来看这个第二节哈。Nous allons lire le verset 2. 啊，《哥林多前书》的第14章第二节。1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 啊，那说方言的言不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。En effet, 然celui 而他在心灵里却是讲说各样的奥秘。En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 好，那我们来看第四节。Verset 4. 啊，说方言的是造就自己，做先知讲道的乃是造就教会。Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. 那其实原本哦，这个最，我们说最基本的这个功能呢，说方言的功能呢，其实是对神说而已，不是对人说的。Donc, à la base, la fonction de parler en langue s'adresse à Dieu et non aux hommes. 啊，那说方言的人呢，在他心里头呢，其实在讲各样的奥秘。Et donc, celui qui parle en langue, il dit dans son cœur, en fait, des mystères. 啊，就好像我们在祷告的时候，我们在说方言，其实是在造就自己呀。Et donc, lorsque nous prions et que nous parlons en langue, en fait, nous nous édifions nous-mêmes. 啊，就好像刚才我们所说过的，但是在哥林多教会，他们有一个特殊的情况，就是有人被圣灵感动，用方言来讲道。
Mais comme on a dit tout à l'heure, dans l'église de Corinthe, il y a une situation particulière, c'est que certaines personnes prophétisaient en langue et parlaient, en fait, prêchaient en langue. 好，那我们来看，我们怎么知道呢？我们现在来看这个第十四章的27节，十四章的这个，我们先念26节。Et donc, comment savons-nous cela? Lisons chapitre 14, verset 26. 好，我们先看最后一句话，十四章的26节。Lisons la dernière partie du chapitre 14, verset 26. 啊，他说：“凡事都当造就人。” Qui nous dit que tout se fasse pour l'édification. 啊，就是要让人得到造就了哈。Autrement dit, c'est pour que les hommes soient édifiés. 啊，那而且呢，这里保罗是说，当你们聚会的时候，就是说众信徒聚在一起的时候。Et c'est lorsque vous vous assemblez, c'est-à-dire quand on est réunis ensemble. 啊，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。Donc chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. 啊，这里有谈到方言。Et on nous parle de langue ici. 然后有谈到翻方言。Ensuite, une interprétation de la langue. 啊，那理由很简单，有人如果向会众讲方言，以方言讲道，一定要有人来翻译。Donc, autrement dit, si quelqu'un parle en langue à l'assemblée, il faut absolument qu'une personne interprète. 啊，那这样呢？啊，这个会众啊，就能够得到造就了。Et c'est ainsi que l'assemblée peut être édifiée. 啊，就好像啊，今天因为我不懂法文呢、啊，你们在讲法文的话，如果没有人翻译的话，我真的不知道你们在说什么。Donc, autrement dit, si aujourd'hui, moi qui ne parle pas français, si personne ne traduit, je ne sais pas de quoi vous parlez. 啊，你们如果不讲中文的人哦，啊，如果只听法文的，如果没有人翻译给你们听的话，那你们也不知道我在说什么。Et donc, si quelqu'un ne parle pas chinois non plus et que personne ne vous interprète en français, à ce moment-là, vous ne savez pas non plus de quoi je parle. 好，那我们现在来看这个27节。Verset 27。啊，若有说方言的，只好两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. 啊，那如果要让人得造就的话，你如果教会如果有人要用方言来讲道或者来劝勉的话呢，保罗说你要轮流啊。Donc pour que les personnes à l'église soient édifiées, si quelqu'un veut parler en langue, il faut le faire chacun à son tour. 啊，而且保罗还限定人数啊，只好两个人，至多最多啊三个人呢、啊，且要轮流。Et Paul a aussi limité le nombre de personnes, deux ou trois, et encore chacun à son tour. 啊，如果三个人同时站起来向，会众用方言讲道，那我想说呢，会众一定听不懂，那翻译的人也会没办法跟他们翻译啊。Et parce que si les trois parlent en même temps, l'assemblée ne peut pas, ce sera inaudible par l'assemblée, et en plus l'interprète ne pourra pas suivre non plus ni traduire. 啊，所以保罗说一定要有秩序啊，要轮流。Et donc Paul dit, il faut avoir un ordre et chacun doit le faire à son tour. 好，那如果没有人翻呢？ Et s'il n'y a pas d'interprète, 我们看28节， verset 28。啊，若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就是了。S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. 那就是说，如果没有人，你想用方言讲道，如果没有人翻的话，那就不要讲了。Donc, autrement dit, si vous parlez en langue à l'assemblée et que personne ne peut interpréter, à ce moment-là, il faut se taire. 啊，那对自己和神说就好了嘛，你要就是说你向神祷告就好了。Et donc, à ce moment-là, qu'on parle à Dieu, donc on prie Dieu. 啊，因为
向神祷告，神听得懂我们所讲的方言的，他不需要人替他翻译。Car quand on prie Dieu en langue, et Dieu n'a pas besoin d'interprète, il comprend ce qu'on dit. 所以从刚才我们所谈到的，我们可以知道说，方言有两种，有两项的功能。Et donc, d'après ce que nous avons dit, nous voyons que parler en langue a deux directions de fonction. 那第一个就是属灵恩赐的这个方言呢，就Et 是为了要造就这个教会的。Donc la première fonction, c'est le don spirituel de parler en langue pour édifier l'Église. 那另外一个呢，就是得圣灵的方言，为了是要造就自己的。Et la deuxième, c'est la réception du Saint-Esprit et c'est pour édifier soi-même. 那属灵恩赐的方言呢，有下面的几个这个重点。Et donc le don spirituel de parler en langue, il y a des points importants. 第一是用方言来讲道或方言做劝勉。Et donc c'est parler en langue pour prêcher ou parler en langue pour exhorter.所以需要翻译。Donc cela nécessite un interprète. 因为对象是人，是教会。Car cela est destiné aux hommes et à l'Église. 那如果把这个方言翻出来的话，那就能够叫这些信仰团体里头的人得到益处。Et le fait d'interpréter, de pouvoir interpréter ce prêche, à ce moment-là, les personnes sont édifiées et cela leur apporte du bien. 这些重点都是刚才我们在念的这些哥林多前书12章14章里头的这些经节里头所谈到的。Et donc, ces points importants, c'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. 那这个属灵恩赐的方言有人如果要用方言讲道的话，必须要照着次序而行。Et ensuite, ce don spirituel de parler en langue, si les personnes veulent parler, il faut qu'il y ait un ordre. 我们说以维持教会的次序的，不然的话教会会很混乱。Et donc suivre l'ordre qu'il y a dans l'Église, sinon ce serait le gros désordre à l'intérieur de l'Église. 所以圣经才说要轮流保罗开始之后只好两个，最多呢三个，而且要有人翻译。C'est pour ça qu'ici Paul dit tout au plus deux ou trois personnes au plus, et encore chacun à son tour. 这是靠圣灵运行随意分给个人哦，不是每一个人都会用方言来讲道。Et donc ceci, c'est le Saint-Esprit qui a donné ce don à telle ou telle personne, qui a choisi telle ou telle personne, et ce n'est pas donné à tout le monde. 那这个得圣灵的方言刚好是跟这个属灵恩赐的方言刚好是相反的。Et la réception du Saint-Esprit et le parler en langue, c'est justement de ce que nous venons de dire. 我们说得圣灵的方言是祷告的方言。Et donc le parler en langue, lorsque nous recevons l'Esprit Saint, c'est le parler en langue de la prière.是不需要翻译的。Il n'y a pas besoin d'interprète. 因为对象是神。Car elle est destinée à Dieu. 这个方言呢，是得圣灵的唯一凭据。Et le parler en langue, c'est la seule preuve de la réception du Saint-Esprit. 那在讲祷告时讲的方言呢，是在造就自己。Et lorsque nous parlons en langue pendant la prière, c'est de l'édification personnelle. 因为是对神讲的，所以呢，大家同时在一起祷告讲方言都可以。Et donc, comme c'est destiné à Dieu, nous pouvons tous parler en langue en même temps lorsque nous prions.所有受圣灵的人呢，都会说方言。Toutes les personnes qui ont reçu l'Esprit Saint parlent en langue. 所以这是他们之间不同的地方了哈。Et ceci, c'est la两者différence. 之间不同的地方。C'est la différence entre les deux fonctions de parler en langue.
当有人跟你说，说方言不是每个人都，不是每个人都有的恩赐，我们应该说是对的。Donc, si une personne vous dit que le don de parler en langue, ce n'est pas donné à tous, on peut leur dire qu'ils ont raison. 但是我们今天所讲的不是属灵恩赐的方言，我们所强调的是祷告的方言，Mais得圣灵的方言。aujourd'hui, ce dont nous parlons, ce n'est pas le don spirituel de parler en langue, mais c'est la réception du Saint-Esprit. Le parler en langue, du fait de la réception du Saint-Esprit, et c'est le parler en langue de la prière.两者是没有冲突的。Et il n'y a pas de contradiction entre les deux.好，那我这一节就讲到这里。Et donc je m'arrête ici pour cette session.好，我们一起默祷。Prions en silence.